plop les gens. On se retrouve sur Basement et avec un titre de chapitre fleuri, dirons-nous. Alors on va voir comment ça se passe. Oh, c'est des bons trucs que vous avez, merci. Bien mieux que la merde que Miguel me donne. Il fait plein de bons trucs, mais il nous donne que des poubelles. Des tonnes de trucs. Combien de tonnes? Et quel type de merde est-ce qu'on est en train de parler exactement? Eh bien, il a beaucoup d'affaires différentes. Ça fait un bout de temps que je travaille pour lui. Au Deep Purple Hotel, Brothel. Donc le brothel du pourpre profond. Il fait prendre du pourpre à toutes les filles. Et vous vous êtes jamais demandé pourquoi mes cheveux étaient de cette couleur? Et qu'est-ce que tu sais d'autre? Bien, Miguel est toujours en train de vendre des gens. Entiers et des bouts. Quoi? Secours? Il piège des addicts dans des bretelles et dance. Et les enferme dans des cages. Il les shoot au pourpre et fait tout un tas d'horribles choses avec eux. Il les appelle ses animaux de compagnie. Ok les gars, c'est l'heure. Si Miguel sait que j'étais là, il va pas me donner de pourpre pendant quelques jours. Kenny, on peut pas laisser passer ça. En plus, on a absolument besoin de s'emparer de son réseau. Ouais, on va s'occuper de lui. Sid, tu dois nous aider. Quoi? Vous avez vraiment besoin de me demander? Bien sûr, je vais aider, mais je dois y aller maintenant. Je vous appelle dès que je trouve quelque chose. Bye. The bar for an attack on Miguel. Un way for school. Oui. Alors, deux secondes. On va ralentir un peu le temps. Tupo a ses stockages. Il a son magasin de voiture. C'est bien ça, Labor Exchange. C'est bien des trucs pas nets. La linderie, mais ça ressemble pas du tout à comment moi je l'ai laissé. C'est pas grave. Là c'est toujours plus ou moins... Non. Ça pareil, ça ressemble pas vraiment à comment je l'avais retravaillé. Et il a beaucoup de bâtiments, pas forcément bien occupés. Et du coup il y a Sid qui appelle. Eh les gars, Miguel est dans son centre logistique. Il s'attend pas à une attaque, donc tout devrait être facile. Merci Sid. Maintenant, tire-toi de là. A plus, Gunter. Ouais, enfin...
Ah, il est là. Alors, j'ai 42 000 balles. Ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai 42 000 balles. Mais là, il va me falloir... de la place pour embaucher les gens. Tac, tac. Ça, je peux l'améliorer. Avec un soldat, je vais pas très loin. Ça aussi, ça fait 3 soldats. 2 et 3. Est-ce qu'on va mettre en vitesse normale? Qu'est-ce que je peux faire? Ça je vends, à la limite ça j'améliorerai. Hop. Et voilà, on va améliorer ça quand même. Il y avait une pièce où c'était marqué nouveau, mais je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Là. Neuf soldats, ça a l'air d'être pas mal ça. Par contre, ils ont aucune arme. J'ai aucune arme d'avance, je peux rien acheter. Alors. C'est le bâtiment tout à côté, mais vous y allez en bagnole. Ah ah! Il bouffait ça, bande de cons. Mec, Miguel se casse. Comment il fait ça? Il pouvait pas savoir qu'on allait l'attaquer. Comment Miguel a son pénis dans le cerveau? Ah! Vous pensiez que c'était aussi simple de me faire tomber? Vous devriez le reconnaître, le génie derrière le plan. Derrière votre plan était une... voilà, une junkie péripatéticienne. Merde, où est Sid? Ouais. Gros bâtard. Vous essayez de vous rebeller? Hey, écoutez ça, vous tous. Vous aurez tous beaucoup de pourpre. Hein? Ces gars ont beaucoup de pourpre et ils voudront pas partager avec vous. Pourpre. Ah ah! Bonne chance avec ça. J'appelle Tupo. Oh mec, on dirait que on va se faire avoir. Qu'est-ce qu'il y a, Tupo? J'ai trouvé ces petits gars. On va cacher ce mot. Hein. Ils essaient de me faire tomber. Ramène-toi ici. Et on se les fait ensemble. Ouais, super, mais attends. Je me souviens que quand ils ont essayé de me faire tomber. T'as juste dit que c'était pas tes affaires. Je pense que je vais laisser passer ce coup-ci. Tu vas pas recevoir d'aide de ma part. T'es tout seul. Ah ah ah.
Ah mince, bien. Je vais le faire tout seul. Les gars, faut que vous descendiez et que vous tapiez Miguel. Voilà, là, non. Alors toi. Ce qui compte, c'est pas que tu vis. Ça n'aura servi à rien. Ça n'aura pas servi à grand chose et tout ça pour. Et Miguel attaque son propre. Il va chez lui quoi. Alors, toi t'as pas de vie, toi t'es déjà mort de toute façon. Ils vont tous me les buter hein. Du coup. J'ai embauché quelques vendeurs parce que de ce que je vois. Ah oui, c'était la bibliothèque, c'est bon. De ce que je vois, je ne peux pas vendre d'ici. Ouais, ça a l'air de pas bien se passer. Hein. Bon, quelques lits d'hôpitaux, mais bon, ben go. You les gars, venez me chercher ici, sortez-moi de là. Et t'es où, Sid? Et j'en sais rien. Miguel m'a mis dans une cage, dans une cellule, et m'a rempli de pourpre et de brown et de marron. Comment on peut te trouver? J'en sais rien. Je suis dans une sorte de cellule, ça sent la pisse. Ok, qu'est-ce que tu vois autour de toi? D'autres cages dans toutes les directions. Dans la cage à ma droite, il y a un gars en costume. On dirait qu'il essaie de s'étrangler avec sa cravate. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois un gars qui nous regarde à travers une énorme télé. Quoi? Une énorme télé? Je crois que je suis stun, je suis en train de m'endormir. Je dois cacher le téléphone. Sortez-moi de là. Genre là. Alors, tiens, derrière toi, Andrew, tu as le droit aussi d'aller te soigner. Je n'avais pas fait gaffe. Mais tu as le droit. Tac. Tac. Ça, on va vendre. Parce qu'on a besoin d'électricité. Avoir une salle de vente de chaque type. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On pourrait acheter un transport, voilà. Même si pour le moment on n'a
pas assez de vendeurs. On a combien de vendeurs là? J'en ai qu'un en fait. T'es où toi? Bah toi Andrew, toi c'est Marvin. Andrew. Tu viens là et on embauche un autre parce que on pouvoir faire de la vente c'est quand même appréciable. On va dire. Ouais. Ça vous vendez un peu de tout, ça va être pas mal. Par contre, j'ai beau avoir tes soldats. Pas des masses. Ah, j'ai quelques armes à feu. Donc, Sid qui appelle. Allô les gars! Alors vous êtes où? On te cherche, t'es où? Donne-moi plus de détails. Comment on peut te trouver? Je me sens pas bien les gars. Je pense pas que je vais résister beaucoup plus longtemps. Sortez-moi de là s'il vous plaît. Allô? Allô? Merde mec, on doit se dépêcher. Si elle sort pas bientôt, le comment Withdrawal, c'est quand elle a plus de drogue dans le sang tout d'un coup, je suppose en tout cas. La cure va la tuer. Ouais, vous êtes marrant, mais là il y a personne en. J'aurais pas dû attaquer ce temps-là, j'aurais dû attaquer là vu que j'ai vu des gens. Elle est là. Elle est là en fait, c'est ici que je dois attaquer. Ok. Il y a déjà un mort. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Shot. Je vais me rendre ça avant de crever. Et mince. On a dit que c'était ici qu'elle est. On va essayer de prendre le bâtiment alors. Hein. Ah, ou alors elle est ici. Attendez, attendez. Ça dépend si c'est à sa droite quand elle nous regarde nous ou si c'est à la droite quand nous on regarde. Mais vu qu'il n'y a qu'un seul indice, en fait elle est. Je me suis loupé. Elle est ici dans le L. Tant pis. Quoi? Je serais pas contre un peu de soin. Non, je peux pas acheter d'armes. Salut Doho d'ailleurs. Est-ce que toi, je peux pas te soigner? Est-ce que t'as une arme? Non. Je peux
peux les récupérer, mais c'est tout. Allez, bute-le, au moins. Non. On voit tellement pas les barres de vie. Bon, je perds de la thune, en théoriquement, mais c'est pas grave. Hein. Je leur donne un peu. Qui tue lui. Et lui je l'aurais pas. Alors on va réembaucher une salve de garde. Je vais l'attaquer et genre toi. Tu vas prendre ça et toi tu vas prendre ça comme ça. Vous vous fatiguerez moins vite lors de vos allers-retours. En vrai je sais pas si... Ah on a 40 jours, ça va. J'aurais pu ne pas me presser autant. Je sais pas s'il vaut mieux essayer de vendre dans cette mission, si... Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Faut se dire bah voilà maintenant je vends comme ça j'ai des trucs à faire, genre transformer ces deux endroits en vente. Peut-être celui-là ou pas. J'ai ralenti le temps. Alors toi par exemple. Mais ouais, sur cette mission, j'ai pas l'air de pouvoir acheter des mines. Oh. Une armure. J'ai pas l'impression qu'ils ont une arme à feu ici en plus. Ah, il faut qu'ils descendent tout là pour remonter là. Non, ils auraient pu passer ici, je pense. Alors, il y en a un qui peut avoir un pistolet, genre. Toi. Toi t'es plutôt en forme, du coup tu vas prendre la batte de baseball. Toi aussi du coup tu vas prendre le gilet. Voilà. Ah oui, parce que du coup maintenant quand on les... Eh mince, merde Kenny, qu'est-ce que c'est tous ces gars des cellules, ils nous attaquent. Miguel les a remplis de pourpre et de brown. Et ça les a complètement rendus fous. Je dirais qu'on va devoir s'occuper d'eux aussi. Bon, il y a quelques gars qui sont morts, un peu tous en fait. Je pensais pas qu'ils mourraient tous, et elle est là, hein. C'est la seule qui s'est pas fait libérer. Donc j'avais raison. Non mais toi tu reviens là. J'ai perdu du coup théoriquement toutes les armes que je leur avais fait équiper. Toi t'as le droit à ça. Non, on va le donner à Gunter plutôt. Et donc j'ai sélectionné que ceux en rouge et ils ont le droit d'attaquer. Bon, c'est bien parce que Miguel n'essaie pas de m'attaquer en même temps pour le moment. Ce qui est moins bien, c'est que je peux pas vendre tout ça. Non mais oui, il faut... On va ralentir le temps.
Donc là j'ai de la vente de la production locale et ici il va falloir que je vende aussi. Et ici certainement aussi. Hop, donc ici on va vendre. On va s'acheter les meilleures salles, hein, tant qu'à faire. Hop, évidemment on ne peut pas encore recruter de plus de monde. Là il passe directement ici. Ok. Genre toi, tu t'attaques à ça. Ça c'est quoi, Laundry? Ok. On va démolir les cellules. Tac, tac, on peut mettre un canapé ici. Je pense que tout le reste, on va pouvoir démolir ou vendre. Du coup on va acheter des j'ai encore oublié le nom, vestiaire, voilà. Non, tu t'appelles comment? Alonso. Fettkini, tu vas aller là. C'est qui? C'est Emilio ou Alonso? Un de vous deux qui est censé être libre. Et si vous êtes tous les deux occupés, il y en a un qui va là. Ici on va en embaucher un autre. Et pas assez de place, y'a pas assez de place, je suis au courant, j'essaie de vendre. J'essaie de vendre et toi t'es où? Tu fais quoi? Non, toi tu vas là en fait. Et ici, on veut embaucher Roberto. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de vendre d'abord du Boom Brown et puis du reste. Ok, donc c'est un peu loin, mais... Tu vas où toi? Comme ça on pourra toujours embaucher plus de monde. Bad trip. Passer de stocker ici c'est affreux. Ouais, ça faut le vendre. Même faudrait le vendre, ouais. Comme ça on a quand même un petit peu de chaque type qui par défaut est vendu. La queue qu'il y a de bord. Comment ça on a trouvé du donut?
Alors là, on pourrait s'attaquer à un autre bâtiment, Jean-Louis, tant qu'on sélectionne pas Solomon. Donc pas Solomon, mais tous les autres. Où vais-je venir? Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, c'est stamina, c'est pas pour les soldats. Stamina, par contre. Kenny, t'as rien? Tu vas maintenant, si. Alors, toi, t'as failli crever déjà? Qu'ils allaient se rebeller. En fait, je devrais plutôt ramener quelqu'un qui fait de la prod dans chaque bâtiment. J'aurais pas dû prendre ce bâtiment là, mais c'est pas grave. Ici. Non, ici il y a trop de monde. De toute façon, il n'y a personne qui a les cheveux roses. T'as déjà plus de vie. Et saute, vous vous en sortez plutôt bien. Toi, t'as plus masse de vie non plus. Merde, Sid, pourquoi nous attaquer? On dirait qu'on l'a buté. Je pense pas que c'était elle. Gunther n'y croit pas. Votre princesse est dans un autre château. On va censurer un peu. Vous ne la trouverez jamais. Ok. Donc là, c'était pas elle. Ici, est-ce que... Ouais, toi tu peux venir. Ça on va le vendre. On a besoin d'un petit hôpital en urgence ici, là, il y a tout le monde qui est un peu blessé. Enfin, j'ai deux vendeurs qui sont morts quasi et... Il y a qui fait de la prod qui est blessé. Tac, ici il y a bien un lit, donc c'est bon. Si d'appel. Et les gars, est-ce que vous êtes là? Oh merde, t'es toujours en vie. Où est-ce que t'es? À le même endroit qu'avant, dans une cage sans fenêtre. Dis-moi quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu vois à côté de toi? Dans la cellule à ma gauche. Il y a un noir avec un t-shirt vert. Il essaie de fumer ses dreadlocks. Oh mince. On dirait que le garde m'amène une nouvelle dose. Je dois cacher le téléphone. Aidez-moi. Tiens bon, on arrive. Alors ça, ah celle-là je peux pas la... D'accord, bon tant pis. C'est un peu bizarre mais pourquoi pas. Oh punaise. Quand je disais qu'il m'attaquait pas, je rigolais en fait.
Un qui fait un pas de trip. C'est bon, c'est un endroit où on a déjà des lits d'hôpitaux. Ouais, on vend. Ici, il va falloir vendre, justement. Ouh, toi, t'as un PV. Ils vont aller soigner un à la fois. Quelques-uns sont morts. Et ici, ça m'arrangerait de tout vendre. Ça, on va garder. Ça, on va garder. À jour tout de suite. On mettra un lit une fois qu'on aura sécurisé la zone, parce que sinon c'est la cata. Oui, c'est ici. On peut mettre tout de suite le canapé, parce que de toute façon il va bien falloir. Donc sinon, elle a parlé d'un noir avec un t-shirt vert qui fume ses lox. Donc d'un côté un gars en cravate, de l'autre côté un gars un noir qui fume ses lox, ouais. Pas ici. Ici. Il y en a déjà deux. Pas ici. Ici. Oh punaise. Et pas là. Donc on a dit. Le labor exchange là, pas loin de mes propriétés. Pas lui. Pas lui et... tac tac, c'était lequel? Lui là, en longueur et le petit carré. 1, 2, 3. Pendant ce temps, je viens de me rendre compte qu'il m'attaque ici aussi. Sauf qu'ici, c'est un peu problématique parce qu'il y a Kenny et Gunter. Kenny, tu vas prendre 4 PV de plus. Pas grand chose tout ça. Les soldats, vous venez là, il y en a un qui va rester. Non, vous y allez tous, c'est quel... On va recruter juste un... comment ça s'appelle? Un producteur qui va venir libérer... ici, on devrait pouvoir embaucher. Voilà. Prends la vitesse normale. On a 5000 de salaire à payer tous les jours.
Peut-être pas vous trois, tiens. 4. Allez, vous. 4, vous allez essayer de vous soigner plus vite là, vu que vous êtes bien endommagé. Il faut que ce soit un combattant juste pour ça. Ou faut laisser un combattant. Parce que lui, il allait quand même beaucoup plus vite que les combattants pour. Que le combattant de la dernière fois pour la libérer. Alors là, qui? Toi tu te bats et t'as 2 PV. Toi tu te bats et t'as 2 PV. Ah zut. Être libre, vous avez qu'à venir ici. Oui, maintenant j'ai même des armes. Toi t'as le droit à une batte de baseball, toi aussi. On va attaquer ici. Et on ira mettre plein de ventes ici. Ici, je veux que ce soit bourré de ventes. Tout simplement. Potentiellement après on s'occupera de mettre du. De mettre de la prod, mais il faut surtout de la vente. Aussi. Toi aussi. Toi aussi, punaise. Vous êtes déjà tous midlife. Vous deux, vous vous battez, mais vous êtes en vie. Elle nous a attaqué encore. Ah ah, Gunter, encore faux. Elle est dans un autre château. On la trouvera jamais. Ouais, on verra. C'est ce qu'on va voir. Cet endroit il est cool comme ça. Et ce serait bien que je le reprenne. Alors ici. Ce qu'on veut c'est genre ça. Ça. Un canapé. Ici on démolit, ici on veut revendre un canapé et maintenant on veut des salles de vente, on veut déjà un vendeur. Si on peut avoir un vendeur, ce serait cool. Ok, alors, on a dit le vendeur ici. Ne mangez pas les sous. Donc là, ils vont se soigner très petit à petit. On a dit pas ici, on avait dit ici, je crois. J'ai mal cliqué, ouais. Ouais, oui, venez tous. Vous êtes tous plutôt en forme, donc vous pouvez tous venir. Ça va me coûter 500 d'embaucher quelqu'un. Ça mon souci, c'est qu'il me faut des sous pour embaucher des gens, mais...
Avec une équipe de 1. Donc si je mets 2 personnes pour l'accueillir, ça devrait aller. Avant que vous mouriez, genre toi, comment tu peux avoir 2 PV alors que t'es celui qui a le pistolet quoi? Une équipe. Toi t'as le droit. Toi t'es mid life. Hop, toi t'es full life, donc tu dois pas être dans le combat. Ouh, vous avez pas de vie. Ouh, vous allez vous soigner tranquillement. Tu vas crever. J'ai encore oublié, alors. Hop, hop. Niveau producteur, toi tu pourrais gagner ça. Niveau vendeur, toi tu pourrais récupérer ça. Ah non, mais il est tout seul. Ça que j'oublie à chaque fois, c'est que les vendeurs ils sont un peu tout seuls. Enfin, c'est à chaque fois je me fais démonter tout le monde. Donc on a dit embaucher quelqu'un ici, ce serait cool. Qu'elle puisse commencer à vendre. En vrai, s'il a une taille d'équipe de 1, enfin s'il est seul quoi à attaquer, ça devrait aller. En plus, mes soldats vont arriver juste à derrière. Là, ils sont 2 à arriver. J'ai perdu en masse salariale, je suis passé de presque 5000 à 3100. On se demande comment. Ok, il n'y en a qu'un seul qui a pas eu de salaire, ce qui est très bien. C'est pas beaucoup. Mais ici j'avais dit que je pouvais vendre des choses, j'avais préparé trois emplacements. Mince, c'est un mec qui est mort. Changer. Du coup j'ai de la vente à gauche. Si on démolit, on va lui mettre une salle de soins si jamais elle a besoin. C'est pas là que je voulais cliquer, c'est pas grave. Toi, je te reconnaîtrai mieux. Oh là là, il m'attaque un peu trop à mon goût. J'ai pas eu le temps de reprendre ce bâtiment là.
ils arrivent avec leur mitrailleuse. On peut rien faire, c'est abusé. Kenny qui a un PV. Sinon, ouais. Donc il manque un vendeur ici. 1, 2, 3, 4 producteurs. Donc un vendeur, 3 producteurs, il en manquera toujours un. Il faut 500 balles. En train de m'attaquer de partout. En fait c'est ça, j'ai envoyé les deux blessés plus un autre ici, on va en embaucher un de plus et on va reprendre ce bâtiment. Passer et là quand même vérifier, voilà, là j'ai bien fait. Ah mince, ils en ont buté un. De quoi? Mince, ah oui, bon. Sandra, on a dit on s'en fout. On s'en fiche de tout garder, ce qui compte. Ouais, mais l'autre là-bas, ça nous donnait plein d'endroits de... pour avoir des gens, quoi. Ici... Canapé, toi, tu vas travailler là. J'ai combien de soldats qui peuvent venir? J'en ai 3 autres. Ok.
3 et 3 ça fait 6. Garde de près. On a dit ce petit endroit, je pense que c'est lui, hein, je sais pas pourquoi. Et celui-ci, avec. Ici, il y a des lits d'hôpitaux. J'ai pas envie de l'attaquer. Mais ici aussi. Parce que ça veut dire que si j'envoie des soldats et qu'ils tuent pas quelqu'un, la personne, au prochain coup, il est full life. Ici, on ne peut pas. Coûte 555 de recruter quelqu'un. Ici. Non, non, non. D'abord la vente, c'est le plus important pour le moment. Les producteurs. On a assez de production ici. Qu'est-ce qui se passe? On doit on doit sauver plus de Cid. Ah, pleure pas, Gunther, mais encore une fois, ta princesse est dans un autre château. Vous ne la trouverez jamais. Je vais le tuer. Je le pense vraiment. Ici, on va démolir cet endroit-là. Si on peut avoir ça. Toi tu t'appelles Anna et Anna il me semblait bien. De toute façon tu dois être libre, voilà. Il me manquait une place ici. Donc j'avais une place disponible ici. Alors on a dit pas ici, on a dit ici. De dépenses, c'est abusé. Si d'appel. Alors les gars, vous m'avez oublié? Bien sûr que non. On est toujours en train de te chercher. Juste patiente un peu, et dis-moi ce que tu vois. Toujours au même endroit. À droite, il y a un gars en costume. Et à gauche, il y a un Rastaman, un Rasta. Et au-dessus de moi, il y a un gars avec un pull rouge. Oh non, Miguel arrive. Faites-moi sortir vite. Et tiens bon Cid, on arrive. Donc pull rouge c'est pas là, mince. Est-ce que c'est là? Oh, je ne saurais pas, je pense pas. Miguel est là. Là c'est plus ou moins rouge hein. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait les deux, je crois. J'avais dit. Ouais, bah le cruise en longueur, hein, ça sera la prochaine fois. Il y en a un qui s'est fait électrocuter. Tasé. Alors, j'ai pas besoin de plus de clientèle qui patiente. Mais j'ai besoin de plus de clients, de vendeurs tout court. Ouais.
Pas de trip. Mais c'est pas grave. Ici, c'est le plus gros endroit de production. C'est peut-être dommage de faire de la vente ici, en fait. Parce que du coup, notre camion, il est assez con pour pas tout prendre. Alors, Kung Fu and You, oui, d'accord. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas embaucher plus de monde. On va démolir tous les sous-sols quand même. Et si on peut pas... Oula. Toi, t'es quasiment mort. Alors si, on va quand même vous équiper, même si vous allez crever. Vous équiper, ça veut dire juste toi. Toi, t'as besoin de ça, un vendeur. Les vendeurs sont ici. Tu as besoin de ça. Beaucoup. Un autre qui a besoin d'un pistolet, enfin qui peut porter un pistolet, donc on... Quoi? Non, je l'ai donné tout de suite, ok. Item, un vendeur, corde à sauter. Ah non, ça c'est de la prod. Ah, je savais pas que c'était de la prod ça. Non, c'est de la stamina. Ah, c'est de la stamina, je me disais bien, c'était pas logique. Équipe. Voilà. Ils sont tous au même étage. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es presque mort. D'accord, ça ne sert à rien, oui. En vrai, je pourrais leur donner du brown pour qu'ils... pour qu'ils tapent plus fort. Théoriquement. C'est dommage que ils ont l'air de perdre l'effet de soin, mais je suis pas vraiment au courant. Il l'avait eu. En vrai, on s'en fout d'ici. On a dit un gars rouge au-dessus d'elle. J'ai tout embauché juste avant minuit, la mauvaise idée. J'ai trois employés qui m'ont quitté, très bien. Qui sont-ils? Un là apparemment. Oui. Alors que c'est là que j'essaie de... Un ici. Ici j'ai rien. Je pourrais faire de la vente mais si. Et okay. Je pourrais faire un peu de vente aussi. C'est pas le plus important. Et ici. Mais c'est que des vendeurs qui m'ont quitté, c'est abusé.
Alors que c'est eux qui sont censés me rapporter des sous. Alors toi, du soin, même si tu vas crever quand même. Toi t'as le droit à un pistolet. J'ai oublié de cliquer, toi aussi. Il me fait penser que niveau production, t'as le droit de t'améliorer. Et vous, vous avez le droit à un peu plus de stamina. Les gars qui descendent, l'autre moitié qui monte. Il y a un des deux pistolets qui est loin d'être full vie. Cet endroit là il va être dur à prendre. Oh, shotgun machine. Minigun quoi. Non, enfin oui, ce que j'appelle minigun à chaque fois alors que c'est... Est-ce que c'est un taser ou un pistolet qu'il a en main? Je ne le saurais pas. Alors, on va vous soigner un dernier coup. Bien donné la mitrailleuse, oui. Oh merde, on dirait qu'ils étaient en train de faire des recherches sur ces gens. Et regarde, il y a un tas d'équipements cool ici. Et un tapis de course. Il les utilisait pour s'entraîner à l'endurance. Ouais, super, on devrait essayer, mais... Mais avant, on devrait les sortir d'ici. Alors, toi... Select... Où tu te mettes là. Toi, pistolet, select, faut que tu te mettes là. Toi, pistolet, select, je veux que tu te mettes là. Maintenant. Mince. Quoi? C'est pour les vendeurs, ces trucs-là. C'est ça le tapis de course, ouais. J'aurais pas enlevé les pistolets. Toi, tu déséquipes ça. Ou laisse crever vite, là. Et après minuit. Je vais vous réembaucher. D'ici là. Ici aussi, je peux embaucher quelqu'un, mais il n'y a pas les sous. Et 4 personnes qui viennent de me quitter. Oui, très bien. Donc ici, je pourrais embaucher quelqu'un. Théoriquement. Ici, on s'en fout. Ici, il faudrait que j'embauche quelqu'un.
Bad trip, ok, ça va se gérer. Si ça devrait être géré. De toute façon, les bad trips sont censés être gérés parce que j'ai pas pris des vendeurs pourris, j'ai pris des vendeurs combattants. Limite, c'est Kenny le moins fort de mes vendeurs, quoi. Qu'est-ce qu'il a? Il se casse, lui? Alors. Ici, c'est tout bon. Ici, c'est tout bon. Ici, je crois qu'il en manque un. Là, il manque deux producteurs ici, mais c'est pas si grave. On va embaucher un producteur là tout à l'heure. On peut retourner vitesse normale. Ici, on va embaucher ici, ça sera un peu plus proche. Ah. Toi, t'es le grand gagnant de la mitrailleuse. Et vous allez me faire le ménage ici. Évidemment, je t'ai donné une mitrailleuse, donc t'es au corps à corps et tu te fais démonter. Mais dès que t'es plus au corps à corps, tu deviens utile. Ici, on va embaucher Jasper. Hop, on va mettre un canapé là. Ok, Amandry, on prend ça. Ça entraîne quoi ça? C'est votre stamina? On s'en fout, quoi. Que vous entraîniez votre stamina là, surtout vraiment. Bad trip. Ouh, ça fait crever mon vendeur là. Pas assez d'espace de vente, de stockage. C'est toi. Finalement, on t'a trouvé.
Allez, lève-toi, Sid. Qui est ici? Sid, c'est nous. On t'a sauvé. Ah oui. Où est-ce qu'on est? Ça doit être le centre de recherche de Miguel. Ouais, ça doit être. Oh merde. C'est là où Miguel faisait des expériences sur ses animaux de compagnie. C'est sûr qu'il m'a rempli jusqu'au niveau des yeux. Hein. Oh mince, j'ai pas lu. Dame de je ne sais pas quoi. Yeah. Prendre du pourpre pendant des semaines, c'est pas une blague. Gunther, elle va faire un mauvais crash. On ferait bien de la traiter avec du green pendant que le pourpre quitte son système. C'est Miguel, ce connard. Pourquoi il doit faire ça à ces pauvres Jenkins. C'est comme s'il voulait essayer de faire une armée de super Jenkins trop badass. Il a tout, des simulateurs et tout. Bien sûr. Laissez-moi vous montrer. Regardez ce que je sais faire. Ok, faut le tuer là. De quoi? Sauf que... Ouais, d'accord. Il va falloir la mettre sous perfusion de green pour qu'elle crève pas. Ok, ça marche. Ça, c'est de la stamina. Si, je crois qu'il y avait des chaussures aussi. C'est de la prod, et ça aussi. J'espère. Il va falloir que tu viennes ici, s'il te plaît. J'espère, viens là. Je pourrais produire plus, mais il n'y a pas de raison. Ça se calme un peu, je pense qu'il faut un deuxième véhicule. Parce que mon point de vente, non c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Il a plus beaucoup de stock. Point de vente sans stock, je sais pas si on peut appeler ça un point de vente. Donc ici ils ont fait quoi? Ouais, ils ont bien investi les lieux. En fait, faut mieux soit reprendre tout de suite, soit totalement abandonner le bâtiment. Les gars, on dirait que je suis morte. Je savais que j'avais besoin de plus de green. Mais où est-ce que je peux en avoir? Allez, c'est un épisode un peu long, mais... À part
maintenir Sid en vie, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire, donc... On va essayer de bien s'en occuper. Dommage qu'il ait quand même pas sa vie, donc on est obligé de revenir régulièrement. Ça, toi tu peux avoir ça. Ah, toi t'as pas d'équipement. Toi non plus. Oh, bah, tant pis. Hein. Moi j'essaie de faire de haut en bas, mais si. Si vous vous mélangez, je n'y peux rien. Où tu vas jusque là-bas, toi? Mais toi tu veux t'entraîner, mais non. Non, 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 je veux pas que tu t'entraînes toi. Enfin. Si, mais pas au... à l'endurance. Alors ici on n'a pas beaucoup de place pour mettre des stocks, on a nos trois vendeurs. Si on pourrait s'en faire quelque chose, ici on a rien. Si je pense qu'on a tous nos vendeurs, là on est en train de s'ouvrir niveau stock. Ici il faudrait qu'on embauche deux producteurs de plus. Ok, la maîtrieuse, toi tu viens là. Il attaque avec une seule personne, donc si tu attaques, si tu te mets dans un coin du bâtiment... Mais... Oh là là... Elle meurt beaucoup trop vite. Ah oui, non, ils ont été changés d'ordre parce que ils... Oui, parce que la sauvegarde a été rechargée. Pareil, toi tu te mets à venir à cause de la sauvegarde. J'espère... Ouais, tu peux venir là, j'aurai besoin de Juan aussi. Ce serait cool d'avoir un deuxième véhicule. Et potentiellement... potentiellement plus de prod, parce que là on commence à plus en avoir beaucoup. Non, si t'es encore full life, c'est la stamina qui est là. Est-ce qu'on ferait de la prod ici? Est-ce qu'on fait...
Plus de prod ici, c'est compliqué tant qu'il n'y a pas de... Stock. Si c'est vous trois qui bossez pas... tac 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 ici. Théoriquement, je peux embaucher quelqu'un. Ici, je devrais pouvoir faire... Je devrais faire plus de prod par contre. J'ai beaucoup de ventes. C'est beaucoup de ventes vertes. Et je ne t'ai pas oublié. Tu as 6 PV. Propose à l'autre bout de la pièce. Enfin, du couloir. Oh mince. Alors ici, je sais pas. Ici, il faut que je sauvegarde mes trucs quand même. Oh, t'es rapide. Et ouais, maintenant je peux courir comme une folle. Et si je m'entraîne dans une salle d'entraînement, je vais devenir vraiment forte. Force fois vitesse, c'est égal à tous les ennemis meurent. Non, on les bute tous. On doit mettre un terme à tout ça. On doit arrêter Miguel. Les gars, vous êtes fait que moi. Hein, t'as pas besoin de demander. On va transformer son cul en verre. Toujours en train de... Ouais, de saigner. Tac, vous venez là. C'est tout, j'avais pris 3 gars en tout. J'avais peut-être pas les sous. Alors là, si je peux pas embaucher, d'accord. Non, 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 je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai plus le temps. On est à combien de temps d'épisode? 1h30, mais j'ai tellement l'impression qu'il reste pas grand chose à part la faire survivre que... Ouais, mais bon. Je vais arrêter cet épisode ici, il est un poil long et puis on a encore une fois pas fini la mission. Avec en perspective un prochain épisode plutôt court, à moins que je ne me trompe. Mais j'espère que l'épisode vous aura quand même plu. Et je vous dis à très bientôt.